Salut les jeunes et les moins jeunes. Au Opératatouille, c'est de la tambouille musicale. Aujourd'hui, on lance un opéra participatif. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est très simple. Vous m'écrivez des paroles. J'écris la musique. On trouve des copains pour l'interpréter. Et on a écrit un opéra. Pour l'épisode 0, il nous faut un personnage principal. Un héros, une héroïne, un chat, un chien, un animal fantastique, de la choucroute, absolument tout ce que vous voulez. Un second personnage principal, un héros, une héroïne, etc. Un méchant. En tout cas, une figure qui va être dans l'adversité et un décor. C'est un lieu. Où est-ce que se passe l'histoire ? Et c'est un temps. Quand est-ce qu'elle se déroule ? Est-ce que c'est historique ? Est-ce que c'est fantastique ? Est-ce que c'est imaginaire ? Vous m'envoyez donc ce que vous avez écrit par mail dans l'adresse qui s'affiche quelque part vers là et que vous retrouvez dans la description de la vidéo. Ensuite, je vais sélectionner ce que vous avez fait et on va continuer à monter une histoire, un opéra sur ça. Qu'est-ce qui se passe avec les héros ? Qu'est-ce qui se passe avec le méchant ? Comment est-ce qu'ils se croisent ? Si ça vous paraît fou, c'est un peu normal parce que ça se met en place. Mais vous verrez, au fur et à mesure qu'on fera d'autres épisodes, ça sera de plus en plus compréhensible et de plus en plus amusant. Soyez original, soyez drôle, soyez triste et surtout, restez sérieux. Pour participer, vous devez m'envoyer par mail un texte ou deux sur personnage A, personnage B, le méchant, le décor, ou l'un ou l'autre, ou tous. Ou juste deux ou trois, avec des dessins ou sans des dessins, le plus riche possible ou juste quelques idées.